Travaillons maintenant l'adagio de Steibelt, pianiste et compositeur allemand, né en 1765. L'objectif est ici de phraser par deux, voire par quatre mesures. Évitez autant que possible les mouvements sur chaque note. Les mouvements de poignet qui empêchent de créer une longue phrase. Jouez les accords de la main gauche avec soin. Le premier un petit peu plus sonore que le deuxième. Relâchez. À nouveau plus sonore. Relâchez. N'oubliez pas de tenir le pouce. La main gauche doit être plus discrète que la main droite. Mesure 18, l'accompagnement se transforme en mélodie. Vous pouvez appuyer un petit peu plus sur la main gauche. Et la main droite reprend la même chose en imitation à la main gauche.